Bonjour, nous voici à Élancourt, au pied du carillon des Frères Bachet, au cœur du quartier des Sept Marques, et l'un des quartiers pionniers de la ville nouvelle qui a été construit au cœur des années 1970. Alors le carillon des Frères Bachet, ou le mobile sonore, est un sujet d'actualité pour nous qui nous intéresse actuellement pour une étude préalable qui est en cours, une étude préalable à sa restauration. C'est une œuvre qui a été installée en haut du beffroi de la médiathèque des Sept Marques en 1976 par ces deux frères inventeurs, musiciens, sculpteurs qui s'appelaient François et Bernard Bachet. C'est un travail qui a été fait en lien avec les architectes, Philippe et Martine Deslandes, qui ont conçu une grande partie de l'aménagement de ce quartier, dont le bâtiment Les Vagues, qui se trouve juste à proximité, et naturellement la médiathèque des Sept Marques sur lesquelles s'élève ce carillon et ce beffroi. Sous le carillon du quartier, à deux pas de la maison pour tous, la bibliothèque. Ce carillon a été installé en 1976. Il a fonctionné de façon assez limitée jusqu'au milieu des années 80, où il est devenu muet. Aujourd'hui, l'idée est de reconstituer ce mobile sonore et de lui restituer le son. Le son fait partie à part entière de cette œuvre. Il y a le mouvement, mais également le son. Donc une étude est en cours, une étude qui a été commencée cette année, en septembre, qui permet à la fois d'étudier l'œuvre, de mieux la connaître dans son histoire et dans sa logique de fonctionnement. Celui-là, une fois qu'il a fait son tour, tac, il se coupe, il met en route le prochain, c'est pas ça? Ah ouais, ça peut être ça, oui. Je pensais à ça tout à l'heure, du coup on va suivre les câbles pour... D'accord. Et également une étude qui permet de mieux cerner les problèmes techniques liés à son fonctionnement. La corrosion a pris là-dedans, mais d'une manière... C'est complètement mort. Et qu'elle... pourraient être les pistes pour restituer à cette œuvre ses mouvements et son son d'origine. Alors cette œuvre est constituée de 12 mâts en acier inoxydable qui portent à leur sommet des tôles pliées, des feuilles, et en fait qui reconstituent l'idée du cadran. Il faudrait en avoir une vue à la verticale, d'en haut. Et au milieu existe aussi une aiguille qui indique les heures. Et en fait cette aiguille, comme celle d'un cadran de montre, pivote avec l'échelle du temps, et les grandes feuilles symbolisent les heures et les quarts d'heure, et les petites feuilles, qui sont au nombre de deux dans l'intermédiaire des grandes, symbolisent les minutes intermédiaires. Puis il y avait deux moments forts dans la journée, à midi et 18h, où là le carillon se mettait en branle de façon beaucoup plus significative pour avoir une sonnerie qui rythmait la vie du quartier. On est dans cette œuvre vraiment dans l'idée du carillon qui surmontait les beffrois dans les villes médiévales, par exemple, et qui rythmait la vie quotidienne du quartier.